Pourquoi les Français veulent quitter la France, les filles? Vous voulez quitter la France un jour ou pas? Oui. Genre, je l'ai déjà fait pendant un an. Après, pourquoi pas le refaire? Mais c'est en France que j'ai envie de vivre plus tard, en tout cas. Ah, t'as envie de rester en France, ouais, toi? J'aime beaucoup la France. Ah, j'adore la France. Eh ben, voilà. Moi, je pense que je vais partir. Ouais. Mais quand j'aurai des enfants, je reviendrai en France, parce qu'en vrai, c'est bien la France. C'est mieux et tout pour vivre et tout. C'est, ouais, c'est très bien. Puis on a la carte vitale. Hein. Ouais. La carte vitale. C'est juste pour la carte vitale. C'est juste pour ça ou... Non, c'est bien la France en soi, ouais, pour tout. Non, faut être fier de son pays et vive la France, vive la République. Ouais, je vais aller au Canada. Ah, pourquoi au Canada? Je sais pas, la vie, j'ai l'impression qu'elle est meilleure. Les études sont plus faciles là-bas, ouais, qu'en France. On met trop la pression. En France, il y a trop de pression, tu trouves et tout. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te déplaisent en France peut-être? Est-ce que vous, vous voulez quitter la France un jour? Oui. Moi, ouais. Comme ça, c'est clair. Oui. En vrai, c'est seulement pour connaître d'autres pays aussi. Mais aussi, bah, il y a bah, déjà la météo. On peut voir ça. Oui. Voilà. Voilà. Il y a une semaine, il faisait hyper beau. Et là, maintenant, il pleut. Mais après, je pense que... Après, c'est un beau pays, hein, la France. Hein. Je pense que... Mais bon, après, il y a d'autres trucs à visiter, quoi. Tu penses que tu voudrais partir pour de bon ou pas, toi? Et c'est juste pour voyager ou c'est qu'il y a quelque chose qui te déplaît en France? Non, c'est pas qu'il y a quelque chose qui me déplaît, mais je pense... Bah, en vrai, soit faire des allers-retours ou m'installer genre quelques années et revenir ou... Ouais. Voilà quoi, des trucs comme ça. Il y a juste ouais, le système scolaire. Ouais, c'est compliqué. Pour toi aussi, tu penses quoi, toi, de la France? Bah, franchement, je... ouais, pareil, je pense que le système scolaire, c'est pas, oui, pas terrible. Pas terrible aussi, ouais. Tu devrais finir ta vie en France ou tu préférais dans un autre pays plus tard? Franchement, je sais pas du tout parce que je me dis qu'on a tendance à idéaliser un peu les, ouais, autres pays et je me dis que peut-être c'est pas mieux autre part, donc ouais, je sais pas du tout. En fait, de base, moi j'habite à Paris, donc ça veut dire qu'à Paris, il y a tout. Mais moi, je suis quelqu'un, comme je vous l'ai dit, je suis négatif. Donc ça veut dire que j'ai... Mais t'es parisien, quoi. Ouais, tout simplement. J'aime bien, en fait, je veux m'isoler, je veux tout couper. Genre, c'est, ah ouais, tout. Et en plus, comme, vas-y, j'ai envie de parler plusieurs langues. Bah, je veux pas rester ici en fait, c'est-à-dire que j'allais faire des... genre peut-être 10 ans, mais dans un pays différent. Ah, tu veux partir, mais c'est juste parce que t'as envie de t'isoler, c'est pas parce qu'il y a des choses que t'aimes pas. Moi, et... Vas-y, en vrai, on va pas mentir, ici, il y a trop de... Je vais pas parler parce que sinon, ça va me remonter. Trop de quoi? Tu veux dire comme non, tu veux. Non, c'est pas ça, c'est juste que, franchement, il y a des mentalités ici, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Après, il y en a partout, hein. Ouais, il y en a partout, c'est vrai, c'est... On va trouver des points négatifs dans tous les pays, dans je pense. Dans tous les pays, il y a des points négatifs. Mais en tout cas, moi ici, là, tout ce que je dis, c'est que moi, je suis français, je suis fier de dire que je suis français, tu vois. Qui n'est... Non, en vrai, c'est vrai, parce que par exemple, tu vas croiser quelqu'un dans la rue, t'es quelle origine? Je vais dire que t'es quoi? Bah, je suis français, frère. Tu vois, c'est la question qu'on va te poser. Moi, je suis d'origine sénégalaise, mais je suis français, c'est tout. Peut-être pas pour de bon, je pense pas. Moi, je dis qu'en vrai, on est... Enfin, même si la politique, tout ça, c'est... Bon, je m'y connais pas, mais c'est vrai que c'est pas ouf. En vrai, on est bien, ouais, dans... Nous, on est bien. Mmh. Dans notre pays, ça va, on se porte bien. Donc, en soi, c'est pas à fuir. Mais il y a d'autres endroits qui sont bien aussi. Pourquoi la plupart des Français, ils veulent partir de la France, justement? On en entend de plus en plus parler, quand même. J'sais il y a peut-être trop, une raison. Après, c'est propre à chacun, mais il faut arrêter de penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Chaque pays a ses qualités et ses défauts. Et dans d'autres pays, il y a des problèmes qu'il n'y a pas en France, et inversement. Donc je trouve ça trop facile de vouloir, sous prétexte que des choses ne vont pas ici, vouloir partir ailleurs. Je trouve, ouais, ça un peu facile. Bah, honnêtement, non. À part un pays francophone comme le Canada, mais c'est tout. Parce que bah, j'aime bien la France en vrai, et je ne me vois pas devoir apprendre une nouvelle langue encore pour vivre, ouais, ailleurs. Vraiment, okay. Mais sinon, il y a des choses qui font que tu as envie de partir dans d'autres pays quand même, vivre ta vie et tout quand même. Juste avoir une nouvelle expérience. Après, quand j'étais petite, j'ai beaucoup voyagé, donc ça m'a fait un peu fatiguée, j'avoue. Mais après, moi j'aime pas, c'est juste genre parce que j'aime m'isoler en fait. Ah, juste ça. Tu vas être tranquille. Bah, moi je veux juste être tranquille. Non, on va rien comprendre. Le désert, on me fait pas chier, laissez-moi fumer, frère. Et puis je suis avec ma femme. Et puis ça, c'est tout en fait. C'est je suis avec ma copine, frère, vous me faites... Vous allez la rencontrer, non, sa copine, bon, il veut aller sur une île déserte. Bah, voilà. C'est une bonne idée, ça. C'est tout. Bonne tour. Je coupe tout.